Voici donc maintenant notre troisième entretien avec les chefs de parti. Ce soir, je me suis entretenue avec le néo-démocrate Jack Layton. Mais avant cet entretien, un bref rappel de son parcours politique. Né à Montréal en 1950, Jack Layton a grandi à l'ouest de l'île de Montréal avant que sa famille ne déménage à Toronto en 1970. Son père, Robert, a été ministre dans le gouvernement Mulroney. Jack Layton, lui, a été professeur dans trois universités de Toronto. Il se démarque sur la scène municipale de la Ville-Reine, où il est élu conseiller à 6 reprises. Il tente sa chance à la mairie de Toronto en 1991, mais termine deuxième. En 2003, Jack Layton succède à Alexa McDonough à la tête du nouveau Parti démocratique et fait son entrée aux communes en 2004. En février 2010, il annonce qu'il souffre d'un cancer de la prostate, le même type de cancer que son père a vaincu. Sa femme, Olivia Chow, est aussi députée néo-démocrate à Toronto. Il est le père de 2 enfants. Monsieur Layton, merci de nous accorder cette entrevue. Avec plaisir. Monsieur Layton, j'imagine que vous devez vous pincer un petit peu pour voir si vous rêvez pas avec tout ce qui arrive. Vous devez être quand même un peu surpris, non? Bien, on a beaucoup de travail à faire d'ici le 2 mai parce que on doit convaincre les gens qu'ils ont vraiment un choix à faire, un choix très important. On ne doit pas faire les choix qu'on a fait depuis longtemps. Et c'est une occasion en or pour faire du vrai changement. Et on a beaucoup de travail à faire et on va voir les résultats après. Mais, M. Layton, vous n'êtes quand même pas un nouveau venu sur la scène politique. C'est votre 4e élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été différent cette fois-ci, selon vous, pour qu'il y ait tout à coup cette soudaine popularité? Et moi, je pense que les gens ont décidé que ça tourne en rond à Ottawa. Et on doit faire quelque chose pour le changer. Et les Québécois ont commencé cette discussion, cette initiative avec une augmentation d'appui pour les NPD. Et maintenant, on voit que les Canadiens hors du Québec sont en train de se dire mais qu'est-ce que les Québécois sont en train de faire? Peut-être on doit joindre avec eux. Je pense que les gens ont décidé que c'est le temps pour faire un vrai changement, pour faire le ménage à Ottawa. Monsieur Layton, quand même, si on se fie à certains sondages, pourriez avoir jusqu'à 100 sièges, Monsieur Layton. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien, moi, je ne fais pas des commentaires concernant les sondages. Ce que je vais faire, c'est d'offrir aux gens une possibilité intéressante. Parce que voilà, on a voté, peu importe, pendant les dernières quelques élections. Nos troupes sont encore en Afghanistan. M. Harper est encore premier ministre. Nous ne sommes pas chefs de file en environnement. Les pétrolières sont en train de recevoir leurs subventions encore. Et les impôts pour les grandes banques sont encore réduits avec l'appui de M. Ignatieff. Alors, ça ne va pas comme il faut. Les gens se demandent, Où est le gouvernement qui est à notre côté? Et ça sera un gouvernement NPD. Si vous devenez chef de l'opposition officielle, je le répète, à quoi ils doivent s'attendre? Est-ce que vous pourriez renverser le gouvernement? Est-ce que vous formeriez une coalition peut-être avec les libéraux? Est-ce qu'on pourrait voir éventuellement Jack Layton premier ministre dans ce cas-là? J'espère que je serai premier ministre le 3 mai. Sinon, si je vais travailler avec le mandat que les citoyens, mes concitoyens, vont m'accorder. Et je vais travailler avec les autres partis comme nous l'avons démontré pendant toute notre histoire et tout mon histoire personnelle comme quelqu'un qui a travaillé dans la scène politique, soit au municipal, soit comme président de la fédération. Donc vous pourriez éventuellement penser à une coalition? Bien, ou envisager une coalition avec les libéraux? On a toutes sortes de possibilités, mais moi, je vais travailler avec les autres. D'accord. Pour réaliser les objectifs que nous avons précisés dans l'élection. C'est plus facile si on aura un gouvernement NPD. Il faudrait parler du Québec, M. Layton. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains souverainistes qui ont eu des mots très durs à votre endroit. Et je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Il y en a qui demandent aussi que vous répondiez clairement aux Québécois, que vous leur disiez clairement qu'est-ce que vous leur offrez. D'abord, votre réaction à ce qui a été dit aujourd'hui au Québec. Mais moi, je suis fier de mon patrimoine. Je suis né et grandi au Québec.
Et un de mes rêves, c'est de créer les conditions gagnantes pour le Canada au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, les conditions gagnantes? Ça veut dire, tout d'abord, débarrasser nous du gouvernement Harper. Deuxièmement, démontrer un peu de respect pour les Québécois et leurs rêves, leurs espoirs. Ça commence avec pour protéger le droit de travailler en français dans les lieux réglés par le fédéral. Nous avons proposé un projet de loi qui est assez bien célébré, même appuyé par le Bloc québécois, pour régler cette affaire-là. Mais le Bloc québécois souhaiterait que vous alliez plus loin. Peut-être, mais ce que nous avons fait, eux, ils ont un autre objectif. Nous ne partageons pas le même objectif que le Bloc, c'est clair. Mais on peut améliorer le sort des Québécois. On parle de la nécessité de que les juges de la Cour suprême soient bilingues. C'est une initiative concrète. On parle de la nation québécoise. Mais où est la réalisation concrète de ces idées? C'est l'NPD qui a proposé plusieurs initiatives pour accomplir des choses concrètes. Et on va continuer avec ce type d'initiative. Mais vous avez déjà dit pendant cette campagne que vous n'étiez pas prêt peut-être à rouvrir toutes les discussions constitutionnelles. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors pour ramener le Québec dans le giron constitutionnel? Concrètement, M. Layton? On doit créer les conditions très positives pour qu'on puisse avoir du succès dans un tel projet. Ils ne sont pas les préoccupations des Québécois immédiats. Quand je parle aux Québécois, ils ont besoin d'un médecin familial, ils ont besoin d'un emploi. Ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Chaque mois, ils me demandent « qu'est-ce que vous allez faire pour nous? » Et on a proposé plusieurs initiatives et la réaction est positive. Alors, ce sont les priorités. Mais on ne peut pas rester pour le futur continuellement avec une constitution, avec les amendements qui n'étaient pas acceptés par les Québécois. Mais si vous devenez premier ministre, est-ce que vous allez rouvrir les discussions constitutionnelles? Pas immédiatement. On a les autres choses à faire comme priorité. Comme j'ai précisé, dans les 100 premiers jours, on a quelques projets qui sont très importants. Quand on a quelqu'un qui ne peut pas payer pour le toit, qui ne peut pas acheter la bouffe pour la famille. Ce sont les priorités du NPD, de régler ça. Et après qu'on a fait ça, on peut peut-être chercher les opportunités dans le futur pour régler un problème qui existe. Et que tous les leaders fédéralistes ont pris connaissance que c'est un problème qui existe. Pour gouverner ou pour être même dans l'opposition, ça prend quand même des candidats qui ont un peu d'expérience politique, M. Layton. Si on regarde au Québec, bon, on connaît certains de vos candidats qui sont là, qui répondent aux questions, qui sont dans des conférences de presse. Mais il y en a, par contre, qui sont des jeunes étudiants ou qui sont même en vacances. On vous l'a déjà reproché depuis quelques jours. Comment est-ce que vous allez pouvoir compenser un peu pour ce manque d'expérience politique? Mais je suis très fier de notre équipe. On est une équipe de syndicalistes, des avocats, des hommes et des femmes d'affaires, des vrais leaders dans leur communauté, des élus au niveau municipal. Ce sont exactement le type de gens qu'on veut avoir dans un cabinet d'un gouvernement au Canada. Il y a une question que je veux vous poser sur votre cadre financier, M. Layton, parce que ça aussi, ça inquiète beaucoup de gens. Il y a peut-être l'inexpérience politique, mais ça inquiète certaines personnes. Les grandes banques ne l'aiment pas parce qu'on ne va pas continuer de réduire leurs impôts comme a proposé M. Harper et M. Ignatieff depuis longtemps. Mais vous proposez, exemple, de doubler les prestations de retraite. Mais vous ne dites pas dans votre programme combien ça va coûter, ça, M. Layton. Oh non, on l'a précisé. Ces chiffres sont tous disponibles. Il y a beaucoup d'experts qui ont fait des analyses là-dessus. Ça coûte un couple de dollars chaque semaine quand on est totalement engagé avec un tel programme. Est-ce qu'il ne faut pas prévenir, est-ce que vous ne devriez pas faire preuve d'un peu plus de transparence sur cette question-là et prévenir un peu les Canadiens qu'il va falloir augmenter les contributions? Parce que c'est ça tous les analystes s'entendent pour dire que ça va coûter plus cher aux gens quand même, ce programme. Mais regardez le nombre d'experts qui sont en accord avec nous, avec nos propositions.
C'est tout chiffré. Et ce n'est pas nous qui avons fait les analyses, c'est les experts en la sécurité, dans la sécurité économique des aînés. Parce que le système actuel ne fonctionne pas. Monsieur Layton, je ne peux pas ne pas vous poser une question sur votre santé. Parce que vous savez, on en a parlé au début de la campagne. On se demandait comment vous alliez passer ces 5 semaines-là. Est-ce que vous vous sentez bien? Il me semble que c'est bon pour la santé. Les élections, que, c'est bon pour oui, vous? Oui, évidemment, parce que puis je cette sens montée du NPD de mieux aussi en mieux chaque jour. Mm-hmm. Et, on fait des exercices pour me faire mieux, et ça va très, très bien. Mais est-ce que vous serez en mesure d'assumer, de faire le mandat que les Canadiens voudront bien vous donner? Pourquoi pas? On a beaucoup de personnes qui ont survécu à la cancer, qui continuent avec leur travail. Plusieurs des milliers de vos téléspectateurs sont en train de faire ça. Ils continuent avec leur travail, peu importe la maladie. Et ils et elles me donnent beaucoup d'inspiration de voir ces gens en faisant ça. Et moi, je vais faire la même chose. Merci beaucoup, M. Layton. Merci. Bonne chance. Merci.